Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, attendez, je bloque ma caméra. Nous sommes samedi aujourd'hui, j'ai reçu ma deuxième partie de colis de Chine hier et aujourd'hui j'ai reçu un autre carton. Donc je voulais vous montrer, hier j'ai reçu ce très joli plaid. Voilà, là on est dans ma chambre. Et ça fait longtemps que je voulais un plaid en maille comme ça, là, vous voyez. Et je l'ai reçu hier, donc j'en ai profité pour le laver. Et comme il fait super chaud, ben, il a séché très très vite. Et je voulais vous le montrer, il est assez grand, vous voyez. Il fait toute la longueur du lit. Moi j'ai un grand lit, hein. J'ai un lit électrique, donc il y a deux places. Et vous voyez qu'il fait toute la grandeur du lit. Et cette nuit, bah, je l'ai laissé sur mes jambes parce que là, j'ai mis juste un drap. Mais c'est vrai que quand il fait très chaud, mais j'aime bien quand même avoir quelque chose sur mes jambes sur le matin si ça fait un peu frais. Et là, franchement, c'est trop top. Il est très joli. J'aime beaucoup le rendu. Voilà. Donc, je voulais vous montrer. Comme vous l'avez compris, c'est ma vidéo en collaboration avec Shein. J'ai choisi tous les articles et là je vais vous montrer le reste de ma commande. Je remercie encore une fois Shein pour cette collaboration et si vous avez des articles qui vous ont plu, surtout n'hésitez pas à regarder en barre d'infos parce que vous avez tous les liens en barre d'infos et vous avez un code promo aussi en barre d'infos comme d'habitude. Je vous reviens aussi pour le balai que j'ai reçu dans ma première partie et il est trop top, j'adore, franchement, je le trouve génial. Je vais recommander un deuxième parce que pour mettre en bas, comme ça j'en aurai deux. Et ben écoutez, là nous sommes partis pour voyez, le deuxième carton, hein, regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un sac, bon là c'est de l'eau. Hein. Je viens de le repasser. Je suis en train de faire ça, un sac en raffia. C'est la première fois que je tente de faire un sac en raffia. Et je trouve super joli. J'adore. Franchement, je n'ai pas fini. Là, je suis en train de faire les anses. Là, vous voyez, j'ai fait des trous là. Et je suis en train de faire des anses. Et je voudrais me racheter des petits crochets comme ça pour l'accrocher dessus. Je trouve trop joli. Voilà. C'est un petit sac pour faire mes petites courses. Allez, on attaque. J'ai mon mari qui va pas tarder à arriver. Au moment où je commence ma vidéo, j'ai eu peur parce que j'ai des voyants de ma voiture qui sont allumés hier. Et du coup, j'avais un petit peu peur que ma voiture tombe en panne. Et en fait, c'est mes pneus qui étaient dégonflés. Voilà, rien de grave. Mais bon, c'est vrai que comme je suis toute seule la semaine, ben, j'ai toujours un peu peur de me retrouver en panne de voiture. Et puis ça, c'est quelque chose que je ne peux pas gérer parce que je n'y connais rien du tout et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Allez, on attaque. J'arrête de blablater. Alors, ah, c'est vrai. J'avais choisi de la marque Motif. Je suis en train de faire tomber mon carton, c'est pas grave. De la marque Motif. J'ai commandé un superbe manteau pour cet hiver. Il est trop trop joli. Il est en laine, il est magnifique. Et un manteau comme ça, j'en avais pas. Il est bien lourd, il est en laine. Donc là, il faut le repasser, bien sûr. Attends, je vais le repasser un petit peu parce que il a besoin d'un petit coup quand même. Et il y a plein de boutons, il y a le bouton transparent dessous, vous voyez. C'est de la très belle qualité. Motif, c'est vraiment une valeur sûre sur Chine. Il est très joli. Attendez, je vais le repasser un petit peu, j'arrive. Alors, voilà. Donc, je l'ai choisi en taille S. Ouais, S parce que j'avais pas envie de me tromper et ça suffit largement parce que, vous voyez, nickel. Il est super beau. Alors ça, avec un tailleur, en plus, vous voyez, au niveau des manches, c'est quand même assez long quand même. C'est la taille parfaite. Il est super joli. Vous avez des poches et il se trouve comme ça. Là, je vois bien avec un tailleur, avec un pantalon, avec une jupe droite. Il est super joli. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, là, il fait 40 degrés, mais sinon, j'ai hâte
qu'on soit en automne, que je puisse le mettre. Il est trop trop beau. Ouais, trop trop beau. Très belle qualité. Je vous le conseille. Ensuite, vous voyez pas grand chose. Hein. Ah oui, alors j'ai recommandé encore une fois, ça fait trois fois que j'en commande. C'est des draps, une parure de lit, un drap housse avec deux têtes d'oreiller. Alors cette fois-ci, je les ai commandés en blanc. La première fois, je les ai commandés, je me suis trompée de taille, j'ai pris une taille pour un lit double. Mais moi, j'ai un grand lit avec un lit électrique, donc il faut vraiment la taille la plus grande. Et donc, c'est des draps que je donnerai à mon fils pour qu'il parte dans son appartement. Et la deuxième fois, j'en ai commandé vraiment, je crois que c'est du 160, c'est la taille la plus grande. Mais je l'ai commandé en beige et c'est très joli. Mais moi, j'aime bien en fait, j'aime bien le blanc. Donc, je l'ai recommandé en blanc. Voilà. Et donc là, il y a deux têtes d'oreiller et je l'aime beaucoup parce qu'il y a deux boutons. Il y a des boutons en fait sur la parure. Vous voyez, il y a des boutons tout le long là. Et donc, il y en a deux. C'est des têtes d'oreiller rectangles. Vous voyez, ils sont très jolis, moi je les aime beaucoup, et c'est très 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 confortable, et c'est du coton, donc moi j'adore dormir avec des draps housses en coton. J'aime pas ce qui est synthétique pour dormir parce que je trouve que c'est pas agréable. Voilà, donc je l'ai repris à la bonne taille, j'espère. Très joli, et je l'aime beaucoup sur ce modèle. J'adore en fait le fait qu'il y ait ces gros boutons sur toute la longueur du lit. Je trouve que c'est sobre. Moi, j'aime bien avoir quelque chose de sobre dans ma chambre. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien que mes draps soient blancs, tout simplement. Pas de chichi, et ils sont, je les trouve élégants, donc c'est cool. Ensuite, ah, super. Ensuite, j'ai choisi. Alors ça, je pense que je la passerai à ma fille parce que j'avais commandé une autre en fait. Donc je sais pas où je vais garder pour moi, je vois. C'est trop mignon. C'est une petite machine à riz. Vous savez que maintenant sur Shein, vous avez de l'électroménager. Et donc il y a plein de choses pour la cuisine, vous avez des ustensiles de cuisine, vous avez de l'électroménager, vous avez des air fryers, vous avez plein de choses pour la cuisine. Et là, c'est une machine à riz qui est trop multigrain, qui est trop jolie. Elle est comme ça, je présente comme ça. Elle est quand même assez grande. Hein. Ouais, ouais. Et pour une personne, vous voyez, ça va largement. Hein. Vous voyez, il y a un bac qui se présente comme ça. Pour deux personnes, je dirais. Pour deux personnes, c'est parfait. Attendez, il y a mon fils qui m'appelle, je reviens. Donc voilà, donc là c'est une machine à riz, mais je pense que vous pouvez cuire plein de choses dedans. Je vous mettrai le lien du produit, vous verrez ça en barre d'infos. J'en ai commandé un autre, donc il est trop joli, très très beau. Je me dis, ou sinon je garderai celui-là pour moi, parce que l'autre, je crois bien qu'il est, c'est un 5 litres, il est plus grand. Et ça, pour moi, comme je suis toute seule maintenant, je pense que ce sera parfait. Elle est très belle. J'en ai une à la maison, mais franchement, c'est un vieux truc. Et j'avais envie d'avoir quelque chose de très joli. Et la prise, attendez. Parce que moi, à chaque fois, je me gourde de prise. Donc, il faut appuyer ce bouton pour... Il y a dedans une cuillère pour le riz. Il y a une cuillère doseur. Voilà. Et c'est une prise européenne. Donc, c'est parfait. Oh, super contente, j'adore. Moi, j'adore ces petites machines là. Et le riz, il est trop trop. D'ailleurs, il faut qu'on aille acheter du riz cet après-midi parce que on en a plus. Et j'achète du riz qui est délicieux en magasin asiatique. Et j'ai jamais goûté un riz aussi bon. Du coup, je mange que celui-là. Voilà. Et je le mets dans la machine. Ça s'arrête tout seul, ça cuit tout seul. C'est super. Voilà. Bon, hâte de tester. Ensuite, je le pose là. Ensuite, un dernier carton. Ah oui, c'est des chaussures pour ma fille. Alors, elle les a trouvées trop jolies, elle a raison, parce que c'est des chaussures magnifiques. Elles sont très jolies. C'est des petites bottines comme ça, là, à carreaux. Elles sont très, très belles. Je les trouve hyper originales, en tissu comme ça. Vous voyez. Alors, je ne vais pas vous les mettre parce que de toute façon, ce n'est pas ma taille. Moi, je suis du 35,5. Et là, c'est du 38, donc elles sont très très belles.
Elle va être contente parce que elle avait flashé dessus. Je lui ai dit, allez, prends-les. Prends-les parce que elles sont très très belles. Ça lui évitera d'en acheter ailleurs. Parce que sur Shein, vous avez plein de jolies chaussures. Moi, j'adore celles que j'ai choisies là. Elles sont hyper jolies. Pareil avec un tailleur, ça va être super sympa. Et bon, après, c'est vrai que les autres que j'ai choisies dans ma première vidéo, le talon, il est tellement grand. C'est sûr que je ne pourrais pas marcher avec. Donc, c'est dommage. Parce que sinon, la couleur, c'était parfait. J'adore les chaussures marron, les chaussures beige, noires, vous voyez. C'est vraiment des très jolies couleurs. Et là, dans ma prochaine collaboration, j'ai choisi une paire de chaussures. Elles sont trop. Bon, j'espère que le talon ne va pas être énorme, encore une fois. Mais elles sont hyper, hyper jolies. Enfin, la couleur est originale aussi. Mais je me dis que, voilà. Donc. Pourquoi pas? J'ai plein de chaussures, donc j'ai dit, il faut que je m'amuse aussi. On peut s'amuser avec des chaussures, avec les vêtements. Bon, j'adore porter de la couleur, donc là, je les trouve vraiment hyper originales. Donc j'espère juste que le talon ne va pas être trop haut, que je pourrai marcher avec. C'est génial. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est fini pour cette collaboration. Hein. J'ai tout reçu. Je suis trop contente. Il n'y a que la cafetière que j'ai pas encore testée parce que d'abord j'ai pas de café qui va avec. Donc je vous en reparlerai dans un vlog. Et puis c'est une cafetière que je vais offrir à mon fils donc pour son ouais, pour sa nouvelle maison. Vous voyez, elle est belle. Et je me suis dit que voilà, quand il a du monde, il pourra se mettre des petites capsules dedans. Donc je l'ai laissé comme ça. Mais peut-être que je l'essaierai parce que on verra. Non, je vais lui offrir comme ça. Et puis voilà, quoi, pour tout le reste, tout est OK. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je suis très contente encore une fois de ma nouvelle sélection. Merci encore à Chine. Et n'oubliez pas que vous avez mon code promo et vous avez tous les articles en barre d'infos s'il y a des articles qui vous plaisent. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye, ciao.